Bonjour les élèves, allez, asseyez-vous, sortez vos cahiers, vos affaires, vous prenez une nouvelle page, on va faire une nouvelle séquence. D'accord, madame. Non. Vous notez. Donc on va faire une nouvelle séquence sur la matière. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi est constituée la matière? Ah, j'ai De pas. la robia? De particules? Belpois, avez-vous une meilleure réponse? De matière? La matière est constituée de matière. Sérieusement, là? Personne s'en aurait douté. Bon, la matière est constituée d'atomes. Et Oui. après. D'accord. Et il existe environ combien d'atomes? Bah en fait, je pense pas qu'on sait encore, en fait. Moi, madame, moi j'ai la réponse, je crois. Oui. Peut-être 5? Non. Ah là, beaucoup plus, hein. Il a un problème de mémoire. Della Robbia? 1 million. Della Robbia. Non, une centaine. Seulement. J'étais oui, presque. Seulement. Et bah c'est petit. C'est déjà beaucoup. Lorsque plusieurs atomes se regroupent, ils forment quoi? Ils forment une cellule. Non. Ah. Un bloc. Della Robbia, est-ce que... Moi, je sais, madame. Oui, Belpois. Une matière. Non. Ah. La matière est constituée d'atomes. Ouais. Et là, on veut savoir, lorsque plusieurs atomes se regroupent, qu'est-ce que ça forme? Un amas d'atomes. Ça forme... Ah. Non, c'est un nom particulier, ça s'appelle une molécule. Une molécule, wow. Ah. Oh, Della Robbia. Ça me fait penser à Yoko et à Elita. Ça me fait penser à Elita. Ah. T'inquiète. Et on appelle ça comment? Les ensembles de molécules ou d'atomes identiques. Quelque chose. Un avatar. Un avatar odd. Incarné sur mon bureau. Oh. Vous verrez, ça vous fera toujours rire. C'est qui ronge? Dans le métal. Donc, on appelle ça une espèce chimique. Oh. Bon. Vous savez quoi? Vous sortez une feuille et vous allez noter dessus tout ce que vous savez sur les atomes, les molécules. D'accord, madame. Et vous me la rendrez à la fin de l'heure. Bien. Bon, ça y est, c'est la fin. Vous, quand vous sortez, vous déposez vos copies sur mon bureau et vous pouvez y aller. Désespérant. Oh non. Moi, j'ai terminé. Non mais tape là quoi les réponses qu'on a fait. Ouais. Incroyable. Ah, bon allez, on descend dans la cour. Yumi va nous attendre, je pense. Avec William. Ah. Oh, salut les gars. Salut. Salut. Ça s'est bien passé le cours avec Madame Hertz? Oh ouais, bah. Laisse tomber. Un Théo surprise limite. Un truc et sur la avec matière. William, ça s'est bien passé. Ah oui, bon ça va. Une bidule, je sais même pas quoi. Ça, ouais, normalement, William. C'est un truc qu'on a vu en cinquième, mais bref. Ouais, mais... Bon, allez, William. J'avais carrément oublié. Il est là. William a clairement dormi pendant tout le cours de maths, mais bon, hein. Quoi? Ouais, j'ai rêvé du secret. Ah ça. Ouais, enfin. J'ai bien rêvé, en tout cas. Ça vous dit, tu je vas suis où, vraiment beau pour une mission de reconnaissance. Oh, ouais, vas-y, bah, toi. Ramène-toi, Odd. Ok, bah ce soir je vous transfère tous. Ouais. Je crois pas que je vais qu'est-ce dormir qu'il fout, la Ulrich, journée. La balle, on dirait un sans-ami. Et ramène-toi, Odd. Au pire, demain matin, à la première heure, après, comme demain on est dimanche et qu'on n'a pas cours la journée, demain on fait journée sur Yoko, reconnaissance avec Aelita. D'ailleurs, ça vous dit d'aller contacter Aelita dans ma chambre? Oui, parce que j'ai un PC dans ma chambre qui est ultra puissant et je peux... Ouais, ok, ok. Attends, ouais, venez, toi, je te rappelle que les filles sont pas autorisées à aller chez les gars. On s'en fiche. C'est comme... Honnêtement, si... normalement, Jim, il est en cours de PS, là, il est en train d'enregistrer son matériel. Là, il n'est pas censé ramener des chiens. Ah oh, oui, oui. Comme Odd, par exemple. Bon, allez. Ah, faut pas... Ah, Ulrich, faut pas qu'on... Attendez, je file dans la chambre. Mais ce soir, Jim va nous tuer. Normalement, on a un cours avec Ulrich. Ouh.
Mais non, mais j'avais dit demain. Ah oui, pardon. Demain, dimanche, donc il y a pas de... Oui, bah oui. Allez, je ferme ton cours de sport. Ah, ouais, bah, est-ce qu'on a pitché Slat? Les amis, d'abord, je file dans ma chambre pour aller voir si Kiwi va bien. Il aura fait des conneries encore. Je pense que je vais faire la même chose. Mais toi, ça sera pas pour la même chose, Eric, non? Oui, parce que je pense pas qu'il est un chien aussi. Bon, du coup, Jérémy, je viens avec toi. Hein. Tu vas où, Jérémy? J'attends Eric et William. Bon, les gars, vous bougez. Parce que si Jim le trouve, laisse tomber. Je pense qu'il t'aura des problèmes. Non, je pense pas. Ouais, il doit être en train de, je sais pas, d'engueuler des gens. Ouais. Alors, oh, tu trouves plus ta chambre? Ok. Alors. Et bim! Ah ouais, ta chambre elle est spéciale. Waouh! Cette ordi. Vous avez vu comment c'est stylé? Alors, c'est on lui. Peut dire ça. Elita? Oui, Jérémy. Comment tout ça va? Tout va bien sur Yoko? Oui, je n'ai rien remarqué d'étrange. Et de ton côté? Non, rien. On a eu un cours avec Madame Hertz et William et Yumi ont eu un cours avec Madame Meyer. On a eu un cours de maths avec Madame Meyer, donc c'était pas terrible. Physique, bon, on a eu une interruption. William a dormi pendant tout le cours, donc ça l'a pas trop dérangé. Hein. Pourquoi je me suis reposé? C'est éducatif, non? William. Des fois, je me demande qui est le plus désespérant, à ton avis, Aelita? William ou Odd? De la les deux. Franchement, exactement les deux. Quoi? C'est vrai, Ulrich, c'est vrai. Tu peux la rebier le pire. Ouais, bah moi je pense que. Ce soir, au tard. Bon, tu ne vois pas les heures, hein, Mason. Ce soir, au tard, nous viendrons avec toi sur Lyoko. Ça te dit? Pour faire une mission de reconnaissance. Cool. Et demain matin, bien sûr, on y passe toute la nuit. Hein. Ça vous dit? Ouais. Ok. Bah ça va. Du moment que je peux aller me défouler. Bah tu te du moment où la voiture Odd est présente. Bon. Et du coup, Jérémy et Aelita, vous avez trouvé ce que c'était que la boule au milieu là qu'on avait vu au labo? La boule? Ouais, tu sais où le truc au milieu de tous les territoires. Ça a... Oui, non mais... Ouais, mais le truc au milieu, c'est quoi? Avec le logo qu'il y a aussi sur les monstres. Non, avec Aelita, on peut déduire qu'il y a un cinquième territoire, mais ça nous aurait étonné. Je pense pas que le manipulateur ait assez de puissance pour supporter au moins autant de territoires. Déjà, supporter un monde virtuel, des scanners et tout, tralala, je pense que ça lui coûte assez. Donc, il y a un cinquième territoire. Il doit y avoir des choses à découvrir là-bas, non? Oui, bon, on a encore plein de choses à découvrir. On a déjà trouvé le nom de la dimension phare artificielle, hein, Aelita? Oui. Ouais, et c'est... Xana. Xana, c'est l'intelligence artificielle... Non, pas William, pas Ulrich et pas Odd. Ah bon? Bah... Odd n'est pas au courant alors que c'est le premier à être venu sur Lyoko. Oui, mais attention, je l'ai su qu'hier. Hein. C'est Odd, hein. Au tard, hein. Je l'ai su hier, au tard. Et la première personne que j'ai vue de la journée, c'était lui. Donc, en bref, voilà. Bon, à ce soir, Aelita. Nous, on va manger. À ce soir. Ouais, à ce soir. Okay.